he was a kind of dancer. He was always moving his body, moving his head, moving his eyes. So he was moving, but the world around here was also moving. And he was not very close to his subject. He was more trying to get invisible. Cartier-Bresson es una figura emblemática del siglo XX. Toma la expresión más importante del siglo pasado, que es la fotografía. Et en fait, très rapidement, au milieu des années 20, il va vouloir d'abord devenir peintre. Il rentre en 1926 dans l'atelier d'André Lhote, qui est un peintre cubiste, où il va apprendre à peindre. Et c'est seulement à la fin des années 20 qu'il décide d'abandonner la peinture pour se lancer réellement dans la photographie. Cartier-Bresson est le photographe par excellence, documentaliste, reconocido como el fotoperiodista más importante del mundo. Alors souvent on a envisagé l'œuvre de Cartier-Bresson à partir d'une notion qui est la notion d'instant décisif. El instante decisivo es un concepto fantástico porque habla de una postura en la fotografía que tiene que ver con el sintetizar la realidad a partir de una imagen. Cette idée de l'instant décisif, c'est cette idée que tout bouge. Le photographe est en mouvement et on voit dans l'exposition un petit film où Cartier-Bresson est en train de photographier. Et on voit effectivement qu'il est tout le temps en train de bouger son corps, de bouger sa tête, de bouger son appareil. Et dans finalement ce double mouvement du photographe et du sujet autour de lui, il considère qu'il y a un moment T, où tout est parfaitement organisé selon les règles du nombre d'or. Et c'est à cet instant-là, à l'instant T, qu'il faut déclencher. Pas à T-1 ni à T+1. L'image la plus connue probablement est l'image qui date de 1932, qui a été prise à Paris derrière la gare Saint-Lazare. C'est effectivement une image qui représente parfaitement l'instant décisif. Pourquoi? Parce que si elle avait été prise à l'instant d'avant, le petit personnage qui est en train de sauter au-dessus de la flaque n'aurait pas eu son corps dans une position qui rappelle une affiche qui se trouve en arrière-plan de l'image. Si elle avait été prise à l'instant T+1, le personnage aurait touché la flaque d'eau et aurait supprimé la réflexion dans la flaque d'eau sur laquelle est construite la totalité de l'image. Alors en 1947, Henri Cartier-Bresson fonde l'agence Magnum avec quelques autres photographes, dont Robert Capa. Magnum tiene la grandeza de entender que el fotoperiodismo, por un lado, es una narrativa visual, pero por otro lado, es aquella fotografía que es la síntesis de un momento que nos describe el entorno. En quelques années seulement, les photographes de Magnum vont réussir à établir un certain nombre de standards en termes éthiques et en termes esthétiques qui seront parmi les plus élevés. Et je crois qu'ils créent une espèce de style Magnum qui est un style entre le reportage et la création qui est encore très, très actif aujourd'hui, dont nombre de photographes se réclament aujourd'hui. Cartier-Bresson came in Mexico in 1934. He stayed there for almost 1 year, and it was a very, very important trip for him. El vínculo de Cartier-Bresson con México es muy importante porque en su venida a México materializa muchísimos de los ideales del objeto encontrado, de la deformación, de la crudeza de lo bello. Las prostitutas, los mercados ambulantes. Esas son las tomas que encontramos de Cartier-Bresson, que tienen una visión pues, muy degradada, de alguna manera, de la ciudad. We have the possibility to have a very small vintage prints. In the vintage, there is a sort of historical authenticity. You understand that
it was the object that was made at the time, that was sent to someone for being exhibited. So you have a different relation with this object. We cannot understand this evolution of Cartier-Bresson if all the prints are printed at the same time. So this idea of vintage is quite important for this exhibition. Es un fotógrafo con mucha trayectoria. Esta en específico es una retrospectiva importante de todo su trabajo. What we try to show in this exhibition is that there's not only one Cartier-Bresson, there is several Cartier-Bresson.